Hey, comment ça va? Bon bah je suis en train de regarder tranquillement, je vais faire mon petit tweet, etc. Avec le lien, ça serait mieux. Hop. Et voilà, on vient de faire un petit peu notre quota, notre petit tweet, hein, on a publié le live. Et maintenant, on va pouvoir partir en tant que show director, avec mon accent anglais. Donc je préviens les anglophobes, il y aura un tout petit peu d'anglais, mais après on essaiera de se mute pour pouvoir streamer tranquillement. Et bonjour à toi, Nazold, qui est là à 6h, qui est là à 10h, qui est là à 15h, qui est là tous les jours. Et on va pouvoir un peu voir comment ça se passe. Hey guys, have fun! Et s'il y a des Français, montrez-vous! Ok, nous venons de partir dans cet enfer numérique, hein, et de neige, de bois, de cuir, 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 cuir moustache. Et nous allons procéder un petit peu à quelques modification dans cette partie, puisqu'il ne faut pas laisser ces personnes juste être là et se faire des feux ensemble, de créer une communauté. Non, il faut qu'ils se détruisent, il faut que se tuent. On veut du sang, on veut du sang pour purger, eh bien, notre société actuelle et ainsi entretenir la pérennité de notre belle société que tout le monde est en train de regarder. Hein. Tout le monde regarde TPMP dans les années 2000 et maintenant qu'on est dans les années 3000. Maintenant, c'est ça le nouveau TPMP, c'est ça le nouveau Baba. Peut-être qu'un jour, je ferai la blague de mettre un masque de Baba pour pouvoir streamer et commenter une partie de Darwin's Project. Donc, nous voyons Hibana. Hi, guy! Qui est le crown favorite, il me semble. Et on va commencer tout de suite avec un petit vote. On va faire un petit vote pour le Wood. Voir un peu comment ça se passe, s'il y a quelqu'un qui a envie de donner des choses. Au pire, ça sera fait de façon aléatoire. On voit que le 3 et le 9 vont pas tarder à s'entrechoquer. Le 3 a l'air extrêmement agressif. On va aller voir un petit peu son. Ah, il voit les paroles. Et c'est Dark Cloud. Just little gift. Ok, donc ça c'est cool. Donc voilà, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer. Ils sont très très proches. Hein. C'est ça qui est un petit peu frustrant. C'est que, alors, faire attention, très 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 attention à ce pont. Une flèche est si vite arrivée. Il décide de ne pas l'interrompre. Il veut le surprendre. Il veut le tuer. Il veut le tuer. Il veut ramasser son électrodix sur le corps. Et il a shoté. Et son shot est passé juste à côté des miches du 9. Donc du 9 qui est Tondman. Qui a l'air un peu perdu, qui a l'air, je dois bien vous l'avouer, un petit peu perdu. Et je pense qu'on va foutre la merde. On va foutre la merde avec un petit Electronics au milieu. J'ai envie de foutre la merde un petit peu avec un Electronics au milieu. Ça peut être rigolo.
Il y a pas mal de personnes qui sont quasiment à un côté. Au pire, ça fera le 1 et le 5 qui feront un petit fight. Bon, le fight a pas envie de se lancer visiblement. On va aller voir un petit peu du côté du 4. Du 4 qui est CSGO Fast. Qui est en train de se faire rush par le 7 peut-être, qui est en train de regarder un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il voit des empreintes ou pas? Non, il voit rien du tout. C'est dommage. Et on va voir un petit peu. Il n'y a pas vraiment de fight, hein. On nous a habitué à beaucoup plus de fight. J'ai pas l'extension. Tu n'as pas à avoir de l'extension. Normalement, c'est moi qui dois activer l'extension. Et normalement, l'extension est activée. Alors peut-être que c'est parce qu'elle n'est pas activée. Normalement, si, elle doit être activée. Donc on va. Normalement, vous pouvez voter. Hein. Ça clique directement sur le stream. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et mon piège à l'Electronics, la gourmandise est un vilain défaut, je vous l'ai déjà dit. Et Dancher, qui a réussi à prendre ça. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et en 9, ça est en train de se battre. Il y a tant de mad. Oh no! Qui se fait kill? GG, Metal Taka. Meta Lactka, sorry for le pseudomène, qui a fait son premier kill, qui a fait le first blood, hein, on le voit, là il y a le premier kill. On va essayer de voir un petit peu qui c'est qui aurait besoin d'un petit peu de chaleur. On va voir, bah non, ils viennent tous de remonter un petit peu. Au pire, on peut mettre à voter le warm-up. On voit que le 2 Ibana est un petit peu mal. Oh, ils sont en train de se fight, je n'avais pas vu ça. C'est Dark Cloud et Atax. Atax qui a pris quelqu'un un petit peu cher. Dark Cloud qui a l'air bien, qui a l'air plutôt bien pour l'instant. Oh, la deuxième flèche. No arrow for. Atax, on peut peut-être lui donner un petit coup de main à Atax, qui est en train de se faire bolosser à cause de. Voilà, on va lui donner un petit coup de main et on va lui donner un petit heal. Allez, on lui donne un petit heal pour que ça soit un peu plus intense. Ils ont l'air à peu près du même niveau, donc c'est pas écrasant, c'est assez rigolo. Quoique, hein, j'ai peut-être fait une erreur. Atax qui a l'air de vouloir. On va voir un petit peu comment ça va se passer, un petit peu ce fight avec un peu plus de heal, un peu plus de vie pour Atax parce qu'il est en train de se faire bolosser le pauvre. Et voilà, il est en train de reprendre un petit peu de chaleur, ça c'est très très bien joué de sa part. Profiter un petit peu des moments de souple du combat. Ouh, nice, le coup de axe. Et le deuxième coup de axe qui finit son œuvre, GG Atax. Oh, et je loupe plein de choses ici qui est en train de. Ouh là 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 là. Oh, nice fight, guys. Dancher qui devrait peut-être s'en aller, je ne sais pas. On va essayer de faire quelques petites choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Ouh, Metalla, the monster. GG, guys. Donc, du coup, on va pouvoir voir Metalla qui. On va essayer un peu de lui pourrir un peu sa game quand même. Parce que c'est quand même le favori, c'est celui qui a le plus de stuff, etc. Donc on va essayer de voir. Est-ce qu'on lui ferait pas un petit coup? Alors s'il va à gauche, je lui ferme le truc de gauche pour que tout le monde bouge. Après ça risque de bouger vers la droite, ça je pense. Donc à voir comment ça va se passer. Non, il a l'air de vouloir fight et c'est très intéressant, ça c'est très très bien. On va essayer de bouger un petit peu. On va essayer de faire un petit peu bouger cette zone ici pour que les deux s'entrechoquent. Pour que le 2 puisse. Ibana puisse fight un petit peu le 8 Atax, qui choisit d'aller à l'opposé malheureusement. Donc on va voir un petit peu le fight un petit peu plus en haut. Est-ce que quelqu'un est en train de prendre un petit peu le devant? Non, il n'y a personne qui est en train de prendre les devants. Il y a quelqu'un qui a posé quelques petits pièges quand même par ici par là, donc ça c'est très intéressant. Faut faire attention, hein, ça peut vous kill, hein, complètement. Et là, on voit Atax qui, avec le pop de l'Electronics en bas à droite, qui est en train de regretter son choix. Peut-être qu'il aurait pu avoir un petit Electronics. Et non, il faut faire. E. You can take the clue with E. Il n'a pas envie de prendre d'informations. Et on va essayer un petit peu de contrecarrer les plans de Extreme Style 23. Et on va essayer de les enfermer un petit peu dans leur. Ah non, c'est pas en train de bouger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dites-moi. Eh bien, vous allez voter. Vous allez voter pour Dubois, simplement. Et on va faire un petit message, je pense, pendant qu'il n'y a pas forcément d'actualité. «
Hello guys, let me 5 stars please. I need that for more power and more fun in game. Thank you a lot. Et on va essayer un petit peu de pas laisser tranquille les gens. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'on pourrait faire en sorte que le 8 aille rejoindre ses comparses. Donc on va essayer de fermer un petit peu sa zone, je pense. Il a deux électroniques à... On va essayer de voir un petit peu. On va essayer de le laisser quand même se prendre... Attends, quoi? On voit deux électroniques portant sur mon... What the fuck? Attendez, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Est-ce que ça serait un bug? Oui, c'est un bug, le Show Director qui voit deux électroniques. Alors, pardon, excusez-moi. Alors qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, dès qu'il arrive aux abords de cette map, voilà, on le voit, il est ici, il est en train de chercher son coffre. Et je viens de louper un kill, merde. GG guy. On est à l'attaque et the monster. Fourth kill. Oh, nice electronics. Et en plus, qui est... Oh non! Oh, je l'avais pas vu qu'il était en train de frozen to death. Oh là là. Follow the light, man, if you want to survive. Just here. No! Sorry, I don't need. I don't have anyone up. Sorry, man. Deux morts par le froid. Oh là 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 là. Ça met un coup au moral à notre équipe. Malheureusement, hein. Il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de fight. Et on va essayer un petit peu de les faire bouger, je pense. On va faire un dernier. Go on electronics, guys. North, west. For a final fight. That was good. Ils sont à peu près à équidistance. On va voir un petit peu. Il y a peut-être attaque un petit peu plus proche. Et malheureusement, on le voit le rouge ici. Metala qui a laissé un petit peu. Metal, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Metal. Qui a laissé quelques petites clous juste ici. Vous le voyez. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ok, ils sont plutôt fers. Ils sont plutôt fers, ça c'est cool. Ils sont tous les deux allés, je leur ai demandé, ils sont venus. Donc ça c'est assez sympathique. Donc je n'ai pas de pouvoir décisif un petit peu. Et on entend un autre Electronics qui pop. Mais tout le monde s'en fout puisque bah, là ça va être le final fight et Metala qui va prendre les premières infos. On va voir un petit peu comment se passe sa taxe. Oula, c'est un grand jump. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant de venir regarder ça. Et Metala qui va peut-être essayer de prendre son électronique. Attention, on va pas laisser trop d'informations. Quand même, ça, le Wallach c'est assez puissant dans ce jeu, on le sait tous. Et Atax qui a du mal et qu'il faut qu'il jump et qui va laisser. Malheureusement, avec sa position, il n'a pas vu qu'il y avait un pont qui était un petit peu plus loin. Il va laisser Metala prendre le second electronics. Son third electronics. Sorry for that. Et Metala qui a le glider, c'est un winner, il a le glider. Voilà. C'est avec Free, t'as tout compris, bah avec le glider, t'es un winner. Voilà, c'est laissez-moi mes slogans nuls, ok? Mes slogans nuls, on va essayer de fermer la dernière zone pour que ça se passe un petit peu dans la dernière zone. Ça peut être assez intéressant. You need to run attacks. You don't have any gliders. Oh, sorry. Ok, on va les laisser fight, on va les laisser se concentrer un petit peu. On va voir ce que fait un petit peu Metallica, enfin Metala. Je ne sais pas s'il va poser des pièges. Moi j'aurais posé quelques pièges quand même, genre je sais qu'il avait l'information. Oh! Allez, on va le faire stresser un petit peu. Et on va lui montrer que la lumière est chez lui.
Oh, il laisse quelques pièges, ça c'est très intéressant. Ah, il a cancel son trapwire? Oui, est-ce qu'il l'a laissé? Non, il l'a laissé. C'est que en chaude d'un réacteur, on ne le voit pas du tout. Et ça, c'est dommage. Faudrait que les pièges soient de couleur. Soit de couleur par rapport aux personnes, ça pourrait être très très cool en vrai. Donc attaque ce qui se rapproche de la zone, il faut faire très attention parce qu'il y a le piège de notre ami qui est juste ici. Ah si, on le voit un petit peu, mais il faut vraiment se rapprocher. Il essaye de lui cancel, il essaye de lui cancel et Metala qui prend le quatrième Electronics, mais qui ne l'a pas crafté. Quelle erreur! Quelle erreur ça! Ça peut peut-être lui porter énormément de préjudice. En même temps. Il est plutôt bien, donc il pense que attaque c'est de l'autre côté, c'est dommage. Il se dit peut-être que son comparse, enfin son ennemi et ami ennemi est de l'autre côté, alors que attaque c'est juste ici, on le voit en train d'attendre un petit peu. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont, ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils sont. Ils essayent d'être un petit peu sneaky et ça c'est très très intéressant. Ils sont juste au-dessus l'un de l'autre, c'est assez rigolo de voir ça un petit peu d'un œil show direct. On les voit les deux qui sont là, qui pourraient se shot à l'arc. On va prendre une caméra un peu plus d'angle. Mais t'as là qui choisit quand même de prendre un petit bois. Ça peut être intéressant. Ça peut peut-être lui sauver la vie en vrai. Hein. Vu qu'il est bien, mais qu'il est plus proche. Ah, attention, pas se prendre un shot de la part de Atax. Ça peut être un peu compliqué. Mais t'as là qui a 7 de bois en fait, qui est très très bien. Peut-être Atax qui va mourir de bois. Non, il a 7 de bois. Donc ça va être très intéressant, mais faut pas faire durer le fight trop longtemps non plus. Un shot mal placé, tu te retrouves dans la zone de froid, et finalement le peu de froid, tu te dis ouais, mais ça va se finir vite. Et au final, le peu de froid qui te restait, et ben, est consumé et te fait prendre 50 de dégâts. Et là, faut que tu craftes un fire, et du coup, tu paniques parce que tu vois que les dégâts sont pris. Et du coup, Metala qui a la vision sur Atax, on le sait, qui ne choisit pas d'y aller, qui donne son dos. Qui donne son dos peut-être, voyons voir ce qui est. Ouh, qui donne son dos totalement. Il n'avait finalement pas vu attaque, c'est la pointe rouge de son stuff. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais t'as là qui est redescendu, qui doit remonter encore. Au moins c'est bien, ça va lui faire prendre un peu du muscle au niveau des jambes. On voit le fire qui est à gauche, mais t'as là qui ne le voit pas du tout en fait. Hein. Mais t'as là pense que son ennemi est derrière lui, mais il n'a pas vu les shots. Il ne voit pas les shots, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Attendez, si, quoique, non. Non, il est behind you. Voilà, ça y est, on lui a donné un petit peu l'information à Tax qui avait qui était bien. Il a crafté 4 flèches. Il essaye de. Faut prendre les flèches, monsieur. Voilà, comme ça vous êtes en Berserkarao. C'est très honnête. Oh, attention, attention, attention. Voilà, nice. Faut faire attention. Oh, dommage, 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 dommage. Peut-être que le Trapwire aurait été de bonne aloi dans cette petite zone. Et il a essayé de faire la même chose que. Attention, le coup de hache mal placé. Faut faire très, très, très attention à Atax. Vous êtes à peu près à la même vie, donc ça va très bien se passer. C'est très cool ça parce que c'est un peu plus serré. C'est les joueurs qui ont à peu près le même niveau, donc attention, le shot, le deuxième shot, la stamina est infinie pour Atax. Le troisième shot, attention, et c'est Atax qui win. GG Atax for the win, GG Metala for the game. 3 kills, or 4, I don't know. GG guys, 3 kills. Vote for me. Et voilà la game qui est complètement finie. Et nous allons pouvoir en relancer une pour le plaisir de nos téléspectateurs. Putain, je. N'importe quoi. Merci, merci. Ma petite Jolie. Je sais pas, je raconte des choses n'importe quoi, il faut essayer un petit peu de meubler. On va voir un petit peu comment ça va se passer sur la prochaine map. On a toujours pas de. Est-ce qu'on a grimpé au niveau un petit peu de notre Director's Deck? Nous sommes à 3,91, hein, c'est bien, il faut que les gens votent, il faut leur rappeler que les gens peuvent voter. On est bientôt avec le Gravity Storm, et ça va faire extrêmement plaisir, parce que vous l'avez vu, on a énormément de points. Ils ont augmenté la régénération de points, mais ils n'ont pas augmenté le nombre de pouvoirs. C'est un peu triste ça, je pensais qu'on allait avoir tout, mais bon. Notre objectif, hein, comme dans le titre est dit, c'est de débloquer la Blood Moon, c'est vraiment le... comment ça s'appelle?
Bah simplement le pouvoir qui m'intéresse le plus dans cette nouvelle mise à jour. Et bonjour à toi, Milky Cupcake. Hey guys, what's up? You can vote for me. Five stars. I need five stars for more power. Thanks a lot. And have fun. Ok, on a tout. Et les Frenchies, n'hésitez pas à vous montrer. Ouais, salut. Ah, notre petit Frenchie qui est ici, qui nous a répondu. Eh bien, bonjour à toi, Nagmar. Et on va commencer tout de suite par un vote. Un vote de... Ah, on peut pas tout de suite faire voter les choses. N'hésite pas à voter pour les show directors. Hey, Alpha Cause, qui est le crown favorite. Have fun, guys. Un little gift for you. Just because you are the favorite. It's not me, it's the fool. The fool. ok. I go. Et on va aller revoir un petit peu notre Frenchie. On a été un petit peu interrompu par le crown favorite, le petit Frenchie qui va évoluer. Est-ce que c'est ta première game? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? Alors, c'est pas ma première game de loin. C'est pas ta première game de loin, d'accord. Voilà, puis on verra comment ça se passe au Kamzer et tout. D'accord, ok. Eh bien écoute, moi je vais commencer à foutre la merde dans ta vie avec un petit Electronics. Voilà. Et maintenant, tu as des indices sur ce qui va se passer prochainement sur toi. Puisque, par rapport à ma phrase. Allez, salut! Salut. Voilà, on va voir un petit peu comment notre Frenchie, ce n'est pas du tout sa première game, donc on va voir comment un petit peu ça se passe. Est-ce que ça va bien se passer? Nagmar qui a dos à son ennemi, Exitus qui va arriver dans le dos, qui va pas prendre le shot, qui veut prendre le fight en close combat. Non, il n'avait pas le dos. Oh, et Nagmar qui a pu avoir son fight, qui a essayé de... Oh, nice le headshot, nice le deuxième shot, le triple shot, and... Oh, GG, man. Thanks. Et un deuxième Electronics, what the fuck, la chatte, excusez-moi de dire ça, et sur ce je vais me taire, GG à Nagmar qui a un petit peu fait le café. Et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe, ils sont tous les deux low à l'FP. GG guys, nice fight. Oh, who the fuck is tracking me? Three men in this area, man. Whoa, that's ballsy. Et on va voir un petit peu notre fight avec le lapin de Alpha. Oh no! Et Nagmar, notre français qui est en train de démolir tous nos spectateurs, enfin tous nos participants. GG à toi, t'es en train de te mettre extrêmement bien dans cette game. T'es full live, donc je vais pas... Par contre, je te préviens tout de suite. Hein, t'as déjà 3 électroniques monstrueux. Par contre, je te préviens, je vais un peu te pourrir ta game, puisque bien évidemment, tu as fait 3 kills, donc faut que je sois fair un petit peu avec les personnes. Donc par exemple, on va commencer à te faire un petit peu bouger. J'ai pas la manhunt, rassure-toi, avec la mise à jour qui est arrivée, je n'ai plus tous les pouvoirs qu'on avait, malheureusement ça a changé un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a besoin des 5 stars, nous les show directs, c'est pour pouvoir débloquer de nouveaux pouvoirs. J'ai même pas le Gravity Storm, donc on va essayer un petit peu de te faire courir, de te faire aller vers les personnes, puisque t'as l'air d'être joyeux, un joyeux compagnon de tuerie. Et dans notre public, visiblement, ils aiment ça. Allez, je te laisse sur ça. Et on va aller voir un petit peu comment ça se passe en 5. Le 5 qui est en train de se battre contre le 3, le Twitch. On va voir un petit peu, est-ce que c'est une victoire écrasante? Le 5 qui a l'air... on a dit contre le 3, oui c'est ça. Donc Twitch...
Bah, c'est dommage en fait. Ce que les gens se mettent en mode Twitch, etc. Il est traqué, attention. Faut faire très attention. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un vote pour peut-être un... Non, 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 pas tout de suite. Pas tout de suite le vote pour les HP. On va voir comment ça va se passer avec... Allô? Ah, mais merde! On n'entend pas mon micro! Mais si, on entend mon micro, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Je voyais pas mon micro, mais en fait, c'est juste que mes. D'accord, le jeu, enfin. Oh! On peut peut-être. Oh, nice shot, man! GG Onizuka. Just take that, voilà. Et on va faire voter une zone. Par nos spectateurs, il y a 7 spectateurs qui sont présents, donc on va essayer de faire un petit peu de faire ça. On va garder un petit peu. Est-ce qu'on va faire un heal? Non, pas tout de suite, personne n'a pas forcément besoin du heal. On va essayer, peut-être, ça serait cool que les gens ferment la zone du. Bah, dommage, c'est dommage, il n'y a personne dedans. Donc, on va essayer de voir comment ça se passe. Hop, le petit électronique ici qui pop. Le petit largage, le 9 et le 3 qui vont bientôt s'affronter. Le 3 qui a fait son premier fight, qui est en train de ramasser quelques petites flèches. Très 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 important. Qui a 13 flèches, mine de rien, c'est plutôt bon. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et on va essayer de... Alors faut voir si le fight laisse un petit peu plus de... Il n'y a personne qui est blessé, c'est ça qui est dommage. En même temps, on voit que le fight va arriver. Je sais pas dans combien de temps il va arriver. Et j'ai envie que le heal soit efficace en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye d'attendre un petit peu. Oh, il prend le risque de se faire voir avec une flèche. Ok, le fight n'a pas du tout été lancé. Ober veut son électronics. Il veut complètement son électronique, ou alors il essaye de fuir vers le portail. Ah, peut-être qu'il essaye de faire ça. Peut-être qu'il essaye aussi de se cacher un peu de son opposant. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il fait là pour l'instant. Il n'a pas forcément envie non plus de faire quoi que ce soit. Le fight n'est pas du tout lancé ici en 6. Le fight est lancé. On va essayer de voir un petit peu comment ça va se passer. Alors les gens sont en train d'un petit peu tempo, donc 10 secondes, allez 10 secondes, il faut que les 10 secondes tiennent. Ouh là là, les shots sont bien lancés, le fight est assez intéressant en vrai, parce que les gens sont à la berserker. Allez, est-ce que le heal? Oh no! Et le heal, GG. You can loot the dead corpse. Ok. Et on va mettre à voter le warm-up, hein, simplement, on sait pas quoi foutre de nos pouvoirs, puisqu'on n'a pas forcément quelque chose qui est imba. N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous avez envie d'un certain pouvoir, ou quoi que ce soit, d'un certain message. Peut-être que ça pourrait être rigolo. Et on voit en 9 le triple combat qui est en train de s'afficher, le triple combat qui s'est un petit peu fini. The vote. Le vote. Le vote est fait. C'est dommage. Le vote est fait. Oh, la biche qui sort de la maison. Elle s'était installée là. Elle était bien, elle était sereine. Donc du coup, il est tout seul. Il est tout seul, c'est un peu dommage. Et en 3, c'est en train de se faire. Et notre petit Frenchie qui tue encore une personne. GG, guys. GG, c'était une bonne game que tu te mets très très bien visiblement. Ah, quelqu'un qui joue avec le Revenge Cloak. Pourquoi pas, pourquoi pas. N'oublie pas de garder quand même un de bois pour crafter un feu dans les pires moments de ta vie. Puisque ça peut arriver très très rapidement. Pour tes conseils. Je sais que tu es un joueur avisé, je le vois, mais c'est juste que ça me fait de la peine de voir 0 au niveau du bois. Ouais, je sais, moi aussi ça me fait peur des fois. Je sais que je suis mort comme un caca la dernière fois que j'étais à 0 de bois. Oh, et tu as les informations et je vais te laisser sur ces informations-là et je vais t'observer.
On va voir un petit peu comment ça va se passer. Nagmar, qui est le favori de cette game, je pense. On peut le dire, on me dit dans l'oreillette que notre Frenchie est en train de porter haut les couleurs de notre nation et ainsi de nous représenter sur ce parcours de la mort. Très intéressant de ça, de prendre le track, la track qui a été prise et qui a été vue par. Qui a été vu par Ober, ça c'est pas normal ça. Ah, quoique, Ober, 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 ouf, qu'il le voit aucun mot. Ça c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui est. Et GG! GG. Et Ober qui est tombé sur le French Monster parce que simplement il a fait déjà. T'es déjà à combien de kills? Je crois que t'en as 4. 4, ouais. Quelque chose comme ça. C'est assez monstrueux. Donc bah, je vais te laisser sur ça et on va voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Et ça a l'air de se passer mal. Il récupère les birtras, bien évidemment. Il n'y a pas de petites économies dans ce jeu, je vous le rappelle, sachant que s'il joue tourelle, ça peut être très 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 décisif pour la personne. Le petit glider, c'est bon, il va s'en sortir, je vous l'assure. Alors, est-ce qu'il va le consommer tout de suite? Oui, il a envie de le consommer tout de suite. Il va s'envoler. I'm an eagle, I can fly. Et voilà, la petite blagounette. Et voilà, il est au milieu. Ok, on va dire simplement aux personnes qui peuvent aller au milieu pour ce fight. On va. Hey guys, I'm your show director. You can go in the middle. Oh, an electronics. For the final fight, please. And vote for me. I need 5 stars for more power. Thanks a lot! Ok, donc ça c'est fait. Nagmar qui est en train de rush complètement. On le voit derrière. Derenda. Derenda, voilà, on va l'appeler Derenda, Derenda. Je sais pas si ça se prononce comme ça, son nom. Mais on s'en fout. Faudrait farmer en haut pour fight au milieu. Non, je leur dis simplement. Ça serait cool de farmer, d'être au milieu. En plus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont craft des choses au milieu. Si, y a un petit indice, mince. Et Derenda qui a complètement l'information sur Nagmar. Nagmar, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Nagmar qui. Et en train de rush sur son ennemi, on a l'impression qu'il a l'information, peut-être pas. Et le final fight qu'il ne se fera pas au milieu. On va reclaquer un microphone. Sorry for that. The game trolls me. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Nagmar qui est en train de courir, qui est en train de s'enfuir. Et on va voir. Ah, nice. Il va avoir ce qu'il faut pour crafter son petit gliders. Il y a le bumper, faut pas oublier le bumper aussi qui peut peut-être te faire économiser. Oh, très intelligent ça, de profiter un petit peu de le temps, du temps. Donc voilà, faut crafter son gliders. Il a l'information comme quoi Nagmar est là. Pour l'instant, Terenda, il est très très bien. Il est très très bien parce qu'il a l'information. Oh, quoique. On a plus rien. On a plus rien. Oh. Ah, you have the warm coffee. Nice. Comme on dit, la gourmandise est un vilain défaut. Peut-être que. Faudrait fermer en haut. Pour le fait, quand j'avais écrit, un était encore en haut. Oui! Ah, il est en train de. D'accord, il utilise bien ses electronics. Il a profité de son warm-up, hein, de son warm coffee, on le rappelle, qui peut vous remonter complètement full, froid. Et qui contre complètement une zone gelée. Donc ça peut être très, 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 très intéressant pour les personnes. Il a fait un très, très joli move. Et comme ça, en plus, il est full chaud. Et. Enfin, il est full froid, entre guillemets. Oh! Nagmar qui a vu son comparse. Le piège qui est posé, bien évidemment. Attention à ne pas prendre. Le piège Nagmar, attention, attention à toi. Tu peux. Oula, il flirte énormément avec le piège. Et voilà le piège qui a été pris. Nice traps, man. Le piège qui est pris, la tourelle qui est posée. Et les Derenda wins. Oh man, GG, GG. Notre Frenchie qui s'est fait complètement doom, malheureusement. Derenda qui avait quelques petites surprises pour lui et qui est tombé dans le piège. Le combo piège into H, into tourelle, into. Comment?
What? I give you 5 stars. Oh, thanks! Thanks a lot, man. Et on va pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de mon ranking. On est à 3,91, on est remonté. Peut-être le 4... Alors attention, attention. Ouh, 3,98. Aïe, 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 aïe. 3,98, on est à ça. On est à ça, on est à rien de monter 5 stars et d'avoir la Gravity Storm. Et ça, c'est très, très cool. C'est très, très bon pour nous, ça. C'est très très bon pour nous. Donc encore une game avec un petit peu de putaclic pour dire que les gens votent pour nous. Et ça, ça va être très très bon. On va pouvoir revoir enfin le Gravity Storm. C'est quand même généralement dans les finales. C'est assez cool. Hi guys. Salut. Vote for me, I need 5 stars for ouais. More power. Thanks a lot. Et on va mute un petit peu parce que la ASMR camionnette ça me fait mal un petit peu aux oreilles. Non, faut qu'on laisse quand même un petit peu pour que les personnes puissent discuter. Mais on va se laisser mute. On va alors c'est qui c'est Geekyman qui est en train de mourir du micro. Geeky, your mic is open and we Господи, я на вырелу, у меня не тянет. Geeky, you can mute you. Ну он please. Тянет, но там так все. Можно играть. Но... Eh bien, on va le mute parce que Geeky Man nous casse les couilles. Et ça a pas l'air d'être lui. Ну да, возможно, что тут оптимизация. Et on va tous les mute. Oula. Oula, c'est le jeu qui bug. Allô, j'ai mute tout le monde. Non, c'est Smeggy. J'ai la chef, man. Have fun, be fair. Ну тут можно в прыжке бить. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de... Est-ce que vous l'entendez? Oh, le bug micro, le bug micro. Et ça y est, le bug micro est fini. Oh là 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 là. C'est quoi ce réacteur d'avion? Bah, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui ai choisi ma vie. Et c'était un bug micro qui était en train de casser les couilles à tout le monde. On peut le dire, on peut le dire, on peut le dire, je pense, on peut le dire. Donc du coup, le 3 qui est tout seul dans sa zone. You're alone in your zone, that's cool. You can farm quickly. Et on va aller voir un petit peu du sang, un peu voir un petit peu comment ça se passe au niveau de cette triplette-là, à quelle distance ils sont exactement. Est-ce qu'ils vont pouvoir se voir ou autre. Ah, ils sont en triangle isocèle, équilatéral, on ne sait pas. Electronics. Et moi j'ai bien envie de vous dire. J'ai envie de mettre un petit Electronics. Vous le savez. Vous le savez, j'ai envie de voir un petit peu un Electronics popé au milieu des trois personnes qui naturellement se disent « Oh chouette, un Electronics !» cette petite gourmandise hein, qui attire tous les grands et les petits. Cette gourmandise qui fait plaisir. Et on les voit se rapprocher un petit peu, on voit prendre des risques. Hein. On voit le 1 et le 7 qui est en train de se rapprocher pendant que le 4 est en train d'essayer de focus un petit peu pour voir s'il y a quelqu'un qui est en train de le prendre. Et attention, le fight qui va arriver. On va aller voir Mr. Deep. Oh, le shot qui est lancé, le cancel qui est bien fait, le deuxième shot qui est lancé, oh là là, mais MK Deep qui est très 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 serein. On va peut-être lancer un vote de healing. Voir un petit peu comment ça va se passer. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Si quelqu'un a envie que Sim Forner reste en vie, on ne sait pas, il a été un peu blessé, je pensais qu'il y aurait un peu plus. Comment ça se fait qu'on entend lui? Alors qu'on n'est pas du tout sur lui. Ah si, on est. Ah d'accord, sérieusement.
Ok, ça a été gentil pour Symphoneur, il a pris un petit peu de heal. Mais il a pris extrêmement cher, il voit qu'il ne pourra pas gagner son fight, donc il essaye d'abandonner un petit peu son plays. Mais en même temps, MKDeep a envie de sang, a envie de... il l'a vu. Attention. Ouh, une mauvaise flèche, et ça pourrait lui être fatal. Attention à ne pas être trop greedy, puisque vous n'êtes pas seul dans cette game. Bien sûr, est-ce qu'on fermerait pas une zone pour bien leur foutre les boules? Est-ce qu'on leur fermerait pas une zone? Et c'est en train de se fight. Ça serait extrêmement drôle qu'en 6 aussi ça se fight sévère. Donc il y a une armoire qui a été Geekyman qui est en train de se faire harceler de flèches par Gim le Revenant. Gim, ça me fait penser à un ami. Oh, mais ils ne sont pas tout seuls, ils sont rejoints. Nice fight, guys. Et on va voir un petit peu comment ça. On va voir un petit peu comment ça évolue de ce côté-là. C'est en train de se fight avec le 4 et le 2, c'est en train de se fight pendant que le 7 est en train d'essayer de courir un petit peu pour sa vie. On va essayer de voir MKDeep qui se prend le premier coup de hache, qui est déjà très low life à faire. Attention, I love cats, GG, I love cats for this fight. That was cool. To see, I need more blood. Et en attendant, ça a été tué, GG Bolzen. Ça a été tué pour ce fight, et faut faire attention parce qu'il n'est pas tout seul et que ça pourrait très vite mal tourner. On a dissipé un petit peu tous ces fights. On va essayer peut-être d'emmerder les personnes qui sont solo là-bas. Ça pourrait être sympa pour qu'elles puissent bouger. Voilà, on attend que la zone se ferme pour qu'il y ait forcément une personne. Ah, quoi que, peut-être. Ah ouais, on va faire un petit... Ouh, Frozen to Death. Ah, j'avais pas vu. C'était qui est mort? C'était MKDeep, c'est le revenant? Je sais plus. Ah, c'était Zamirza et je... Oh, sorry, I don't see you. I'm so sorry, man. Ah, merde, je l'ai pas vu, Frozen to Death. Mais on va faire un petit call. Hi, guys, I'm your show director. And if you vote for me, I need a 5 stars. For more power and more fun in this game, you can go middle for electronics, and 6 wood if you go in the middle. I give you 6 wood and warm up. It's all in. I need more fight. See you soon. Allez, on va essayer un petit peu de les... Il y a deux personnes qui sont frozen to death, donc on a essayé un petit peu de les bait, mais je ne suis pas sûr que tout le monde m'ait entendu. Ça serait dommage, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Là, la personne va se dire, il n'y a personne qui est en train d'aller. Si, elle voit Geekyman, attention Geekyman qui est traqué. Oh, ça va peut-être aller dans le milieu. Il n'y a personne qui va au milieu. Mon annonce a été pas entendue du tout. Il n'y a personne qui a voulu. Donc c'est un petit peu dommage. Faut qu'on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau du froid. I love cats, qui est pas très bien. Donc on va attendre. On va voir qui c'est qui va rush le middle. Il n'y a personne qui y va. Et ça, c'est triste un petit peu. C'est le call qui est lancé en mode je te donne 6 de bois et un warm-up. Et il n'y a personne qui va. Ah, si, il y a Benjamin qui va aller prendre peut-être une information d'abord. Oui, ça peut être très intéressant. Attention, la stamina qui a été complètement bouffée par ce fight. Ouh, qui va le prendre. S'il prend l'électronique, je lui donne tout ce que je lui ai dit. You know, if you take the electronics, I give you a 6 wood and a warm-up. It's my call. Je tiendrai parole pour que les gens qui soient... Ils vont le voir, de toute façon, ils vont le voir que je tiens parole, et du coup, ils vont se dire, ouais, c'est un petit peu pété, mais ce n'est pas... Oh, Simoners! Sorry. Il avait besoin d'aller... Il a été trop greedy, c'est un Simfoners. Peut-être un débutant. And this gift. Comme on dit en France, promis, chose due. Et je sais pas si tu es français, Benjamin.
Mais on entend ton micro, donc tu peux. Et n'hésite pas à me répondre. Et fais attention parce que si moi j'entends ton micro, ça veut dire que tes adversaires peuvent entendre ton micro aussi. Et du coup, ils peuvent entendre ton clavier. Ça peut te spot. Allez, bonne chance à toi. Et voilà, on n'a plus rien. Il nous reste une zone à fermer que je vais vous faire voter pour voir un petit peu comment ça va se passer. Fermez pas le milieu si possible, parce que comme ça le fight se fera. Peut-être fermer l'arrière, l'ouest, ça peut être intéressant. Ça met un petit peu la pression, ça dit aux personnes. Ouh, ça ferme en bas en espérant que... ouh, c'est en train de se fight avec Geekyman. Non, c'est pas Geekyman qui est en train de se fight. Si, c'est Geekyman et le 5. Le 5, c'est Other Person qui prend la fuite, hein, simplement. Bah, il a raison. En même temps, il y a la zone qui est en train de se faire fermer. Donc, il n'a pas forcément de choix. Il n'a pas forcément de gliders ou quoi que ce soit. Il a absolument rien de tout ça. C'est dommage. Et on va pouvoir un petit peu voir comment ça va se passer sur ces fights. Mes excuses. Je baille. Donc ça c'est cool parce que Other Person qui se fait traquer du coup par Geekyman qui va vouloir aller au milieu puisqu'il est en train de traquer son adversaire. Et ça c'est très intéressant parce que comme ça Other Person va aller en plein milieu et ils vont tomber sur Benjamin. Benjamin est spot avec son feu. Other Person qui le voit, qui a envie de fight, qui a envie d'en découdre. Il a envie de se réchauffer les miches aussi. Ils ont peut-être envie de se faire une soirée chamallow, on ne sait pas. Mais en tout cas, le fight du milieu a été complètement abort the mission. Et je vous le dis, abort the mission. C'est n'importe quoi. Attendez, on peut peut-être glitcher. Ah, on peut faire tab pour switch. Non, on peut pas faire tab. Ah non, c'est parce que j'ai appuyé sur 1. Non, j'ai pas appuyé sur 1 du tout. Donc on va voir, on a Geekyman qui est en train de track le numéro 10 qui est Smurgy. Smurgy? Smurgy? Allez, on va lui faire une petite peur. Hop là. Mais heureusement. Hail, I love cats. You are alone in your area, you can get the final electronics on your zone. And please go middle for fight with three electronics. It's easy to you, no? Donc, je sais pas s'ils ont été tous mute ou pas, mais en tout cas, il y a personne qui me répond, c'est un petit peu dommage. N'hésitez pas à se piquer avec les gens, hein, essayez de faire quelques petites choses. Donc là, le 10 c'est. Oh bah dis donc, bah alors, I love cats, t'es bourré? Ah, you drank? You are drunk? Oh, ok, nice. Ok, on lui a donné une indication contre un échange de bons procédés pour aller se fight. Benjamin a envie d'aller fight un petit peu à Isle of Cats. Faudrait peut-être qu'il prenne un peu plus d'informations. Quoique, il sait que la personne est là-bas, mais en même temps, ça serait pas bête de la laisser venir vu que le milieu a l'air d'être safe. C'est dommage qu'on ait plus le pouvoir. Donc, on va voir un petit peu. Et c'est. Ouh, c'est en disque, c'est en train de se fight. Geeky Armor qui s'est fait break son. Enfin, la Geeky's Armor. Ah, ça serait trop marrant que ça soit un Rigged Chest. Y'a personne qui joue avec le Rigged Chest en vrai. Hein. C'est. En même temps, les bons joueurs sont comme ça. Ils connaissent un peu tous les spots des Rigged Chest. En même temps, y'a des spots des fois de coffres qui sont un peu putassiers, je trouve. Donc c'est assez sympa. Geeky qui choisit la fuite, hein. il choisit complètement la fuite. En même temps, c'est pas pour un petit peu lui donner raison, mais il a la tourelle, donc là il s'est enfui, il a repris le terrain, donc ça c'est cool. Ah, et ça va être fini, je pense, en 9. Benjamin qui est en train de track I Love Cats, mais je ne sais pas comment il fait pour la track. C'est ça qui me perturbe un petit peu, c'est que... il ne sait pas comment, en fait. Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cheats. Il y a vraiment des personnes qui sont monstrueuses. On l'a vu hier soir, vers 4h du matin. Il y a vraiment des personnes qui sont... Mais alors, c'est d'un niveau absolument n'importe quoi. Et on voit Other Person qui risque de se faire shot. Attention. Benjamin. 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 Vas-y, Benjamin.
Bah, y a main qui passe à côté, qui n'a pas envie de fight, visiblement, c'est un peu dommage. Je pensais que le fight serait de la partie, mais visiblement, ils ont pas envie. I love cats qui. Ah, là, il me faudrait une zone à fermer, et ça serait celle du haut, comme ça, il y aurait personne qui serait tenté par l'électronics. Ah, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, mais personne sait que je n'ai plus de pouvoir. Et on va voir. Oh, il y a Geekymans qui est en train de se faire encore Armor Breaks. Il s'est pris quand même une petite flèche bien placée, bien sentie. Boum ! Le Smeggy qui passe dans le viseur et qui se fait complètement shot, qui est un peu tranquille avec ses piliers. Il a pu craft son petit truc, je sais pas qu'est-ce qu'il a frappé. Ouh, attention à la tourelle de Geekyman qui est à côté et qui a tiré sur un deer, donc qui a régénéré Geekyman et boum! GG Geekyman. Thanks guys. Do you speak French? Yep. Ouais, je parle français. Ah ok, nickel. Et Geeky qui. Oui, bah ça sera plus facile aussi pour moi. Oh merde! GG. I love cats. No electronics? Okay, you don't lose any electronics. Okay, I'll let you on this. Et mon petit Frenchy, parce que bien évidemment, je n'ai plus de pouvoir, hein, donc je ne pourrai plus t'aider, là ça ne sera que du skill. Ah, et puis de toute façon... Thomas. Et oui, j'ai fait un call tout à l'heure, j'ai dit que si quelqu'un allait au milieu et choper l'électronics, je lui donnais un warm-up et 6 de bois, et il n'y a qu'une seule personne qui a répondu à mon appel. J'ai été extrêmement triste. Et puis un bravo à lui. Et il est mort. Ah oui, c'est dommage. C'est ma première game. C'est ta première game, 13. Bah, et ben pour l'instant, tu t'en sors extrêmement bien. Tu es plutôt bien stuffé. Tu vas te choper ton troisième Electronics. T'as pris la tourelle, le TP, le leap. C'est honnête. Donc, en tout cas, j'espère que ta première game a été sublimée par un show director qui vaut au moins 5 étoiles. Pardon. Rien que parce que tu es français, tu mérites. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Mais en même temps, on a besoin. Alors, j'explique un petit peu, puisque comme c'est ta première game, tu dois pas être au courant des changements qui ont été apportés au show director. C'est que maintenant, eh bien, il faut que le show director soit. Putain, ma première game. Alors, est-ce qu'il y a le chat qui est en train de me parler en même temps? Eh bien, sache que les show directors ont besoin d'être 4 étoiles ou plus au niveau du rating, etc., pour débloquer des pouvoirs. Donc, n'hésite pas à mettre 5 étoiles à tous les show directors qui essayent de te parler un petit peu ou quoi que ce soit. Puisque, comme ça, ça les récompensera. Non, mais comment, je me mets ultra bien. Après, ouais, je te mets très très bien. Un heal. Mais alors, je vais t'avouer une petite chose, mon ami, quand même, c'est que la personne en face de toi a 3 électroniques aussi, donc je vais te laisser sur cette information, et j'ai la chef. Je sens que ça va pas être facile. Et notre petit Frenchy, qui, bien évidemment, a 3 électroniques sur sa première game. Et oui, bonjour à toi, Yerfan. J'avais même pas capté qu'il y avait des électroniques à choper. Et oui, mais non, mais c'est... Moi, j'avais tout capté parce que j'avais vu le strip de Zerator. Mais j'avais triché un petit peu. Voilà. Donc, du coup, I Love Cats qui est au milieu, hein, qui est en train de... qui est tout clean. Alors, ça peut être un petit peu contre-productif, finalement, d'avoir tout clean, puisque, bah, du coup, vous laissez des empreintes et vous laissez des possibles aimbots, enfin, des possibles tracks sur le terrain. Et du coup, ça peut être complètement à votre désavantage. Oh! Hey, I love cats. Here. Nice shot. Voilà, donc on a donné, là il y a un coffre, donc elle a absolument tout ce qu'il faut. Donc ça c'est très très bien. Donc peut-être prendre les informations. Non, elle a pas envie de prendre les informations, elle a entendu. Geeky qui est ici, on va essayer de prendre un petit peu son point de vue. Non, on va prendre un petit peu de hauteur. Par contre, Geeky qui a la possibilité de prendre les informations, et ça c'est extrêmement intéressant. Il sait que maintenant I Love Cats est en plein milieu. Est-ce que I Love Cats est en train de poser des pièges? Je ne crois pas, c'est dommage parce qu'elle a 4 de bois. Elle pourrait peut-être poser des beer traps un peu partout, et ça pourrait peut-être lui sauver la vie. Essayer de garder peut-être 2 bois. Elle essaye de le faire. Elle essaye de faire un bait. Je pense pas qu'elle en ait vraiment. Voilà, c'est un bait. C'est pour essayer de le faire venir, mais en même temps elle montre sa position. C'est un petit peu dommage. Donc c'est un petit peu un bait aux flèches. On va voir comment ça va se passer. Geeky qui essaye de... Oh merde, j'étais en train de parler dans le jeu. Sorry.
Sorry for that. Et on va essayer d'illuminer un petit peu leur vie. Et elle se fait défoncer. Elle prend la monnaie de sa pièce. Puisque la tourelle l'a complètement punie. Alors attention, I love cats. Ouh, la TP de Geeky qui veut prendre un petit peu de hauteur et qui veut prendre un petit peu plus de terrain. Qui essaye de peut-être gagner un petit peu de temps pour sa tourelle. Plus que 26 secondes pour sa tourelle et ses autres passifs. Ouh, ça peut être très intéressant. Faut faire attention. Ça peut être à double tranchant. Puisqu'il faut faire attention au froid. Geeky qui n'a plus de bois. Donc s'il se fait harceler dans le froid, il peut très clairement mourir de décès et de froid très rapidement, et ça je ne pense pas qu'il ait vraiment envie. Il faut faire attention à toujours garder un de bois. I Love Cats qui met la pression avec ses flèches, le leap qui a été lancé, et Geeky qui est track par les flèches de I Love Cats. La tourelle qui est détruite, c'est un peu dommage de l'avoir posée en pleine vue, et voilà, encore une flèche qui a été posée. I Love Cats qui est complètement tranquille et qui peut complètement faire son show malgré le fait que le shield, attention, le shield, faut peut-être en profiter aussi. Le shield, ce n'est pas que I Love Cats qui est très maligne, puisqu'elle joue un personnage féminin et que bien évidemment, je vais rien dire parce que ça va mener que à des conclusions hâtives. Donc, on voit un petit peu la technique de l'arena pour pouvoir enfermer son adversaire. Déjà, être sûr qu'il ne s'enfuit pas quand on est sûr et certain quasiment de le tuer, et aussi certainement, GG I Love Cats! Nice play, GG pour ta première game, mon petit Geeky Man. GG à tous les deux, c'était très intéressant. N'hésitez pas à voter 5 étoiles. Et Love Cats qui a fait 1950 de dommages. Donc ça c'est très bien pour elle, c'est un très très bon score. Mais Geeky Man qui a fait 2 kills, voilà, ça a été GG pour elle. Petite question, tu as quoi comme type de connexion Tibi? Là je suis actuellement en 4G, c'est de la full 4G, j'ai eu 0,4% d'image perdue, donc pour l'instant c'est pas hyper ouf. Je suis toujours dans un endroit où je n'ai pas de fibre, et l'appartement avec la fibre m'est passé sous le nez avant-hier, donc voilà. Les boules sont présentes, c'est pour ça que je me défoule en stream et que j'essaye d'être un magnifique show director. On va essayer de voir un petit peu. Attention, roulement de tambour. Non, il n'y a personne qui a voté pour moi. Je ne suis pas à 4 étoiles. Il me faut 5 stars. I need 5 stars. Et oui, parce que quand les gens ne votent pas, et ben ça met 0 étoile sur la personne. Donc c'est un petit peu dommage que ça soit pris en compte. Il faudrait que les gens puissent voter un peu plus. Enfin, que ceux qui ne votent pas soient pas pris en compte. Après, que les personnes disent 0, faudrait que voilà, ça soit mis. Donc on va repartir en show directing. Parce que quand il y a eu un gros mouvement de caméra, ça a full fait de la patine dans l'image. Ah, oh, bonjour, allô. Oh, bonjour, allô. J'ai grandi dans la street, là où tu vas. Allô, baguette. La baguette. Baguette. La crème. J'ai la chef. Crème. Ulu berlu. c'est trop drôle. J'adore les étrangers quand ils essayent de parler français. C'est adorable. C'est adorable. Et nous, on n'a pas ce réflexe quand on essaye les Français, de parler une autre langue. C'est un peu triste. Du coup, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a une game et le crown favorite Twitch Cocknix. Konix, pardon. Hello. Hey. Are you French? Yep. Oh my god, can I rap you something? Bonjour à tous et bienvenue sur cette partie et sur ce Twitch de qualité. Merci à Tikonix de nous jouer et de nous faire un petit gameplay extrêmement intéressant. Et je vais te donner peut-être un Electronix. Should I rap you something now? No, it's my turn, okay? Okay, okay. Wait, let me think what I should rap. Alors attends, est-ce que c'est le... Ok, let's go. J'ai grandi dans la street, là où tout va si vite. J'y récolte ce que je mérite, je fais partie de l'élite. Plus je bois de l'élite, plus je fais d'élite. Plus on me félicite, mon dieu, je vais un hypocrite. You like this? Ok man, I let you on this. Bye! Beau French pub? No, French. We ain't teaming. No friends. We just never saw each other.
I'm not. No, I'm not teaming. Not teaming. No, no. Not teaming. Goodbye, sir. Goodbye. I see you. Ok, il y a des gens qui ont essayé d'un petit peu de se faire un petit peu de friendly. J'aurais dit un petit peu de se calmer parce que c'est interdit, c'est très clairement interdit. Il faut pas, il faut le rappeler, hein, c'est interdit quand vous fightez, même si ça pourrait être tentant ou quoi que ce soit, ça casse un peu le jeu, donc faut éviter que que ça soit répandu. On va essayer de retourner voir. Non, donc on va voir un petit peu. On va essayer de foutre la merde. On va foutre la merde avec un petit électronique ici. Donc ça c'est très très cool. Ouh, GG. GG man. Lucky. Yeah. Yep, lucky. Allez, on lui met un peu la pression. On lui met la pression. Est-ce qu'on mettrait pas un petit heal? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire casser la gueule? Si, le 10 est en train de se faire casser un peu la bouche. C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir farmé quand même. Qui a l'air d'avoir farmé le jeu parce qu'il a le lapin doré. Donc on va essayer de faire un petit vote pour un heal. Et qui c'est qui est en train de se... Ah, nice. Nice. The support is real. Oh my god, dude, there's somebody else. Why are you here again? Why are you here? No! I'm running away, dude. One star, director, one star. What? No, it's not his fault. It's not me to. Oh, et puis merde. Par contre, comment je fais pour... alors le 1, est-ce que j'ai un droit de report? Oui. C'est comment il s'appelle? Outrage. Report Outrage. Teaming. Allez, c'est parti. Et le 4, Bob machin. Report. Bob Force, Bob et Teaming. Confirme. Parce que faut arrêter de se foutre de la gueule du show director. Et on va faire un petit vote. Merde. Des fois c'est chiant un petit peu la barrière de la langue. Oh bah dis donc, il y avait quelqu'un ici? Non. Bah il y avait lui, d'accord. Il a été chopé son petit electronics. Oh, le 50%. Ah, ça serait drôle qu'un 50-50, il y aurait deux zones qui se ferment. Oh, ça serait tellement putassier. Ça serait trop cool en vrai. Mais des zones, tu sais, où tu peux pas... Où ça te coupe pas complètement. Genre là, ça serait celle du milieu et celle du nord-est. Ok, les infos sont prises par Stinix. Ouais, mais fais attention, faut pas être trop gourmand. Faut pas être trop gourmand dans ce jeu, ça peut vite vous faire déchanter. Après, c'est bien parce que l'information c'était essentiel, puisque c'est voir dans quel. Attention, ça descend vite. Hein. Ok, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Alors. Wow. Hey! It's me. Hey! It's me, Mario. You're not alone in your in area. Be careful, man. Et on va essayer de donner un petit peu de. Hop. On va essayer de se fight, ok, le fight est présent. Shiro, hello. Ow. Nice shot. Le fight est très intéressant pour l'instant. Outrage qui se fait défoncer. Et oui, hein, quand on n'est pas avec son pote à deux contre une personne, c'est sûr et certain que ça devient compliqué. Ouh, la première boule de neige qui a été lancée. La seconde qui a été loupée. Ouh, ça a touché. Dans le lapin. Oh,
Oh, attention, attention, on va pas être trop gourmand. On va donner un petit peu. Est-ce qu'on va warm up quelqu'un? On regarde un petit peu le froid, si ça se passe bien, il y a Outrage. Mais Outrage a son. Ah, j'avais oublié, c'est. Allez, on va laisser le froid ne pas décider. GG! Et merci la zone. Ah bah ça c'est pas moi ça. Ah bah un petit Frenchy, et bah désolé hein, c'est pas moi. Alors t'as bien fait parce que je suppose que cette personne et une autre personne qui est sur ta gauche font du teaming, donc il est pas dans ta zone hein, tout de suite, t'es un peu seul dans ta zone, mais enfin en ouest, en sud-ouest. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui font un petit peu de teaming. Et je vais te laisser sur cette information et sur ce gift. Oh, hello. Hey. I don't... you see. You see why I don't... Make me fuck, make me yo. Allez, on va essayer de faire un vote. Ouh, 225. Oh là, ça joue mal. Enfin, ça joue mal. Ouh, le trapoyeur. Oh, ça a essayé de chain. Ok. Tychonix qui a l'air d'être assez chaud quand même avec ses pièges. Ok. GG. Ouh. That was close, man. GG. It was not close. It was very close. Ok, bon, bah, on va voir un petit peu. On va voir un peu comment ça va se passer. Notre petit Frenchie qui est solo. Écoutez, je vais vous refaire voter une zone. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont fermer la zone de l'Electronics? Non, ça va fermer la zone. Ça c'est très très bien. En plus, notre petit Frenchie a beaucoup de pièges. Donc ça peut être très intéressant. Allez, on n'en dit pas forcément plus. Alors là, un petit trapoyeur, ça serait parfait. Attention à ne pas se faire voir quand même par Bob Force. Hop. Ah, il essaye de le... Alors attends, on essaye de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des trappes. Oui, il a mis un trapoyeur. Donc on voit qu'il essaye de prendre un petit peu partout. Et Bob qui est en train d'essayer de s'enfuir. Malheureusement pour... notre ami Frenchy, il ne pourra pas le voir. Et c'est lui qui va être traqué. Ils sont tous les deux sensiblement pareils au niveau de des HP. Il leur faut 3 shots. 2 shots, pardon. Ouh, 3 shots du coup. Ok. Ça essaye de faire mourir au froid. Ça essaye de faire mourir au froid. Oh mon dieu, le froid! Oh, la boule de neige qui... Oh, et le froid qui va t'assassiner. Oh no. Oh, no. The cord. GG. Oh là là, cette tactique un peu putassière de faire mourir par le froid. Mais c'est une tactique, GG à toi. Et tu viens de m'apprendre que la boule de neige pouvait exploser une tourelle. Donc bravo à toi. Tu peux même tuer des cerfs avec. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, non, c'est des boules de neige en glace que tu fais. Arrête de mettre des cailloux dedans, on a dit. C'était de la neige, hein, normalement, qu'il fallait. GG en toi, en tout cas. Bon, du coup, t'es en finale. Va falloir faire attention. Et n'hésite pas à voter 5 étoiles hein, pour le show director. J'ai besoin d'avoir un rating supérieur à 4 pour débloquer des pouvoirs. Donc... Et quand les gens ne votent pas, bah ça me compte comme s'ils avaient voté 0 étoile, du coup la baise. Et je vais te laisser sur cette information. Surtout pour fermer la zone du teamer. Merci à toi Milky de faire respecter la loi à I am the law. Et du coup.
notre petit pote qui... alors excusez-moi, parce que je me trompe de bouton. Le 6 et le 5, ok. Le 6 et le 5, Tychonix, qui nous a chanté, qui a chanté pour nous, qui est full lumberjack, qui est full speed. Et ça c'est très très bien, mais qui se fait traquer. Et... ouh là là. The track on you, ok. Qui se My fait friend. Traquer. Oui. It's a 1v1. Are yeah. you ready? I'm ready to watch this. I don't have any power. The final is the only skill. Ok, il a quoi comme pouvoir? Il a le radar, il essaye de voir un petit peu comment ça va se passer. Il pense que notre Frenchie est un petit peu est un peu trop proche, mais finalement, et bah, pas du tout. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est absolument génial. C'est en train de craft Mass Snowball. Ça joue bien du des côtés, hein. Oula! Le show derrière étant, il va devoir prendre un café, hein, si ça continue. Donc il est en train de se diriger un petit peu vers la zone, il se dit que peut-être... oh, attention, oh l'information, ça c'est extrêmement crucial, et il voit son ennemi, il va pouvoir lui passer dans le dos, peut-être, il essaie d'être un petit peu sneaky, faire attention, il voit le craft qui a été fait, et la boulette qui a été balancée, ils essayent vraiment de se bourrer, il faut pas oublier que la boule de neige peut être renvoyée dans la gueule de la personne, donc c'est... ouh, l'armoire a été break. Il a l'avantage pour l'instant de DHP et non pas du froid, si du froid aussi. Il a encore son armor, donc ça c'est très très intéressant pour lui. Oh no! Oh là là, le tripping. Oh, il est en train de se fight. Et le fight final, the close combat. You see in, Tychonix wins, GG man. GG. Culé, là, il reste derrière son putain d'arbre de merde. Et oh, 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 calmez-vous, jeune homme. Le mec... bah tu en même temps tu... Non mais il a bien joué. Bah c'est un style de combat. GG à toi, Tychonix. C'est le joueur des îles. Bah il t'a tué ou pas? Bah voilà, il a gagné. Ouais, bah niqué. Bah voilà, simplement. Il a gagné. Allez, goodbye. Et Sultan qui vient d'arriver, qui est enveloppé dans sa couverture et qui est en train de regarder un stream. Et on vient d'avoir le fan gift. Est-ce qu'on a baissé au niveau du rank? On a énormément baissé puisque à cause du teaming et de ma perte de mots, parce que j'ai oublié de dire qu'ils étaient en train de faire du teaming et que finalement en fait le healing a été sur un des teamers et ça je ne savais pas. Je me suis dit bon les mecs ils... enfin voilà quoi. Mais en fait c'était complètement du teaming absolument abusé. Donc ça a été report, hein. Vous en faites pas, ça a été report. Et d'accord, pourquoi pas, des épaulettes oranges pour bien se faire voir, parce que comme ça c'est génial. Voilà, on va mettre ça, voilà, comme ça on a les cheveux rouges. Ah non, il y a une partie noire, bon allez, on va laisser comme ça, c'est rigolo. Et du coup on va repartir un petit peu, on va essayer d'avoir notre niveau 15. Je pense que niveau 15 on va quand même débloquer des nouveaux pouvoirs, ça serait assez intéressant. Ça serait quand même assez putassier de ne pas avoir autre chose. Je suis là depuis le début de la game. Ah mais c'est parce que tu vois toute cette... J'adore cette image de plaid. Franchement elle est géniale. Cet émoticône en mode de... ah, je suis tellement bien là, je suis dans mon plaid, je suis au chaud. Et on est reparti en game, donc Paquito, Maker SG. Oh, il y a quelqu'un qui a un symbole de arc. C'est rigolo. What's up, guys? Yo, what's up? Ok. Hey. Alors, c'est en train de se tataner, hein. C'est en train de s'acharner. Dans le lobby, bien sûr. Laissez-moi ta Gigi. Ah, Gigi. Oh, c'est en train de me taper. Qui c'est qui me shot? On leur sert de cible. Did you hear Hitler like me? Hitler? What the fuck? Allez, boîte de nuit. Allez, on va essayer d'éviter de se dire you. Est-ce que c'est you? Est-ce que c'est votre représentant? What the fuck? What the...
are you doing? Alors, qui c'est qui va être votre favori pour l'instant? Quelqu'un qui est complètement à poil. Coin-coin. Rimo, qui est en train de viser les spectateurs. Rimo, on va essayer de t'aveugler. Arrête. Ouch! Hey guys, I need 5 stars for more power. Thanks a lot. Yeah, so if you just drop me electronic, I give you 5 stars. No problem. I'm fair, man. I'm fair. So maybe I give you 4 stars or something. Ça essaye. Non, j'ai pas la nuke, Alfux, désolé. J'essaye de. Je farm. Why you looking at me? Go away. Hey, so if everyone gives you 1 star, you get 10 stars. So no, I need 5 stars for my ranking. Everyone. Et les Français, n'hésitez pas à vous montrer. Salut, ça va? Et Paquito. Ok, good luck, guys. Good luck. Good luck, man. Good luck. Et Paquito qui est notre Frenchie, le seul Frenchie de cette game. Mais du coup, j'ai besoin de 5 stars pour débloquer des pouvoirs. Je les donnerai, pas de problème. Riot va se revoquer. Exactement. Hey guys, Raimo, the crown favorite. What's up? Hello. Because you are the favorite of this game, I give you. I give you this. It's the word that makes it good. Thank you. Ok, Raimo qui est tout seul dans sa game. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des personnes. Ederzen. En 2, ça a l'air de se rapprocher un petit peu du 5, on sait pas comment ça va se passer. Le 5 aussi qui est en train de faire sa vie tranquillement. Donc Makers et Alors attendez, je vais vous lire ça. J'ai 3 années de Monster Hunter Online en chinois, je suis sûr que je peux y arriver. C'est du Jap. Bah, je peux plus, du coup. Voilà. Moi, je veux que le chinois il gagne. Ok, t'es nul. Et je vais vous faire voter pour un petit peu de bois pour essayer de pimenter un petit peu tout ça. Et on va voir un petit peu parce que c'est en train de se tabasser. GG, you. Or me. Are you. Me. Or you. You or me. You are me ou are you. Et le japonais est en train de se faire carry le game par ses comparses du chat. Voilà. Et on va essayer de voter un petit peu pour un petit Electronics. Alors je peux pas vous le faire voter, ça c'est dommage. Mais par contre, je peux dans le chat vous regarder spammer, dire ouais, je veux que tu mettes ça au milieu. Ouais, je veux que tu mettes ça à gauche. Non, je veux pas que tu le mettes tout de suite. Non, je veux que tu le mettes maintenant, etc. Donc n'hésitez pas quand vous pensez que c'est le bon moment. GG for the fight. Et le Jap qui s'est fait buter par Makers. Makers. Voilà, donc la bouillie de pixels qui est arrivée. Donc you, je veux que tu mettes ça dans mon cul. Oups. Tu vois cet Electronics? Eh ben il est dans mon cul. Je m'assois dessus. Et c'est en train de se close combat. Ouh, GG Makers. Makers est ultra chaud, hein. GG. Nice fight, guys. Ouh. That was close. GG Makers. You're alone in your area, you can... you can take this corpse. I see dead people. Bon,
J'ai pas mis tout le monde, non c'est bon. Y a juste personne qui me répond. Ok, on va aller voir un petit peu notre Paquito. Bonjour, rebonjour à toi notre petit Frenchie. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu es en train de... Déjà, est-ce que tu peux me dire, parce que je fais un petit peu des sondages comme ça, très, très rapidement. Est-ce que c'est ta première game? Oui ou non? Pas du tout. Ou alors TG, t'es en train de me faire découvrir. Non, non, moi, alors c'est pas un peu une game, mais j'y suis que depuis hier, donc... Ah, d'accord. Ok. Eh bien, bon courage à toi, Paquito. Je vais te laisser, puisque merci. Tu t'es fait visiblement traquer, donc on va éviter de te... J'ai vu de ça, te spot. Pas un warm-up, là. Allez, est-ce que je mets le warm-up sur le chat? Est-ce que tu décides que le chat vote? Bah, allez, c'est parti. Est-ce que le chat va être gentil? On ne sait pas. Il y a deux personnes qui sont à peu près dans ce niveau-là, donc il faut que tu attendes 9 secondes, et puis si au bout de 9 secondes tu vois pas que ça vient, bah crate un fire. Merci à toi. Allez, bonne game. Et le warm-up qui a été mis sur Paquito, vous avez été gentil. Et bonjour à toi, Shuriken. Le fou que s'il pleurait, il parlait plus avant. Et Murtan qui vient d'arriver, tout le monde qui arrive. Et un dire qui vient de popper sur votre écran. Putain, mais merde. Heureusement que c'est des machines. Parce que franchement... Oh merde, c'est en train de se tataner en 10. C'est en train de se tataner, genre sévère en 10. Je vais essayer de vous mettre ça. Il a pas de warm-up. Ah, il n'y a pas de warm-up, Est-ce qu'on essaye de lui mettre un heal pour que ça soit un peu plus... Allez, on lui met un heal. On lui met un heal. No! Oh, GG. I want to save you, but Makers is so strong. I need 5 stars. Bye. On a essayé de faire un petit peu durer le combat. Et le Reimyo et Paquito, notre petit français qui est en train de se battre, qui est en train de se faire viser. Reimyo qui prend le temps de viser, qui finalement ne fait pas du tout un seul shot. Et Paquito qui se fait bousculer et qui perd un peu l'avantage de la hauteur. Reimyo qui a envie de garder cet avantage, bien sûr, puisqu'on ne peut pas se faire aggro. Et visiblement, Paquito n'a plus de flèches. Donc Reimyo a tout intérêt à garder ses distances et à essayer de le... Non ! Reimyo a envie de se fight. A envie de se fight et l'armor break est fait. Est-ce qu'on mettrait pas un petit électronique au milieu pour foutre la merde ? Est-ce que ça vous dirait pas un petit électronique au milieu ? Essayez de voir un petit peu ça. Et je vais vous faire fermer une zone en attendant. Le temps que vous votiez, vous avez les 13 secondes pour voter pour la zone. Et j'espère que vous spammez pour que l'électronique soit mis quelque part. Et si il n'y a qu'une seule personne qui le spam, eh bien je suivrai cette personne. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et Paquito qui commence à prendre quelques dégâts. Et ça ferme au milieu parce que ça n'a pas envie de... ça n'a pas envie que je mette un électronique au milieu. Donc du coup, c'est triste. J'avoue, milieu. Allez, Reimyo. Oh, Reimyo qui s'enfuit au gliders. Non mais on va pas mettre un électronique au milieu. Vous avez fermé la zone. Ok, Reimyo qui a envie de s'enfuir. C'est... Non mais... Oh les bâtards, ils me font gâcher mon électronics. Ah, vous êtes tellement putain... Ou alors on attend. On va attendre encore un petit peu. Ah. Bon. Ah, je peux pas. Ah. Ah, je peux pas parce que vous avez voté avant. Ah, vous êtes auto-baisé. J'ai essayé de vous suivre, mais vous êtes auto-baisé. Ils se sont quoi? Ils se sont baisés. Reimyo qui est en train de se réchauffer, qui va prendre peut-être, qui va grider ce coffre. Et oui, qui gride ce coffre avec Paquito qui le talonne. Paquito qui, avec cette magnifique épopée, Paquito qui essaye de gagner du temps. Et qui a loupé son coup, Paquito. Reimyo, vas-y Reimyo. Reimyo, le deuxième hit, qui a break, bien sûr. Oh là là, plus qu'un coup. One more hit. Et notre petit Frenchie qui est extrêmement mal. Et le Frenchie qui est décédé. GG. GG Reimyo. Reimyo qui était... T'es nul comme show director. En bas à gauche. Est-ce que en bas à gauche, ici, très à gauche ou au milieu des deux zones?
Ah, voilà, ça y est, ça pose d'autres problèmes. Parce qu'au milieu des deux zones, on pourrait avoir le 3 et le 7 qui peuvent se fight. Mais on peut avoir aussi le 5 et le 4 venir se fight. C'est... Le 5 qui est traqué, visiblement, par je ne sais pas qui. Visiblement pas par Remyo. Remyo qui est full life, hein. Qui est complètement full life, hein. C'est n'importe quoi. Là, ils vont me demander de... Je peux pas le mettre à droite, du coup. Je peux pas le mettre entre le 5 et le 5 et 4. Sorry. Sorry, bro. Ok. Il y a Coin-Coin qui est complètement traqué, qui se fait spam du track. Donc, je pense qu'il est spammé par peut-être... Non, pas visiblement non. Ça a l'air pas d'être, d'être cette personne-là. You qui est en train d'essayer de ramasser, faire sa petite vie, etc. On va voir peut-être comment ça va se passer. Ah, c'est Remyo qui spam You. D'accord, ok. Allez, Remyo. Il faut courir. On te laisse, Tibi, on va s'entraîner sur Fort Runner. Bah, allez-y. Hop. Ah, ça va se fight bientôt. Et qui va prendre très très cher au niveau du froid. Je vais vous laisser voter une autre zone à fermer. C'est en train de se fight ici aussi. Mais en même temps, c'est en train de prendre la bite. Remyo qui a pu fermer son... Ça c'est cool, elle a pu ne pas perdre de dégâts. Il n'a pas pu perdre de dégâts. Et vous avez voté. Vous êtes... un petit peu putassier. En plus, il y a le fight. Il y a notre ami Remyo qui est en train de se faire spammer de flèches par Makers. Makers, qui est un très bon joueur. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Le 4 et le 5 qui sont en train de se talonner. En 7, ça ne s'est pas fight. C'est bizarre. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont grid Ils vont grid. Remyo qui se fait défoncer. Ah. Attention, voyons voir. Ouh, les shots sont tentés. Ouh, c'est pas passé loin. Cette flèche s'est touchée. GG for this shot, man. Wow. Makers qui est serein sur son aim. You want to take the speed up. I think. Et Makers qui est en train de se faire un petit Electronics. Makers qui veut peut-être fabriquer son téléport. Peut-être, faut faire attention. Makers qui prend des décisions, je ne comprends pas actuellement. Makers qui veut son kill. Je pense que Makers est un bot. Makers, are you a bot? If yes, jump one. One times. Et Remyo qui a pris la bite. Remyo qui a pris la bite et qui va pouvoir. Front of view, you have one. Il a réussi à s'en sortir. Mais sort de la zone. Pourquoi il fait ça? Makers est un bot. Makers est un bot, c'est pas possible autrement d'être aussi con. Makers? Seriously? Makers, on a l'impression que c'est un bot. Coin-coin qui se fait défoncer la gueule, attention. On va mettre un Electronics, allez, je vais piffer un Electronics ici. Comme ça, ça attirera peut-être Makers à faire autre chose. Des bisous à toi, Sultan. Reste dans ton plaid. Avec ton Gigi, que je ne connais pas malheureusement. Et qui a des émotes absolument formidables. You qui se fait. Qui ne se fait pas toucher, qui est en train de toucher son adversaire, mais qui faut faire très très attention, Coin-coin. Et You sont tous les deux à 1. Shot de la fin, et non, Coin-coin vient de se soigner avec un petit... Ouh, 225, Coin-coin. Coin-coin qui est en train de shot. You, mais l'armor est présente, est complètement présente. Donc You qui est pas très 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 bien, il faut bien l'avouer. Ok.
Ok, coin coin, c'est un seul shot, hein. Un seul shot. Quoi? Mais ils ont combien d'HP? You, ah, il a 25 HP, you. Oh, merde. GG, you. That was close. So close, man. Just one hit and you died. Yeah. D'où l'importance de ne pas laisser sa hache sur un nombre impair, ou de faire au moins 2 hits avec sa hache, puisque du coup vous laissez une personne à 25 HP et vous la laissez survivre à un seul hit, et ça c'est vraiment très dommage. Et Yu qui se fait tout de suite attaquer par Makers, et un shot, nice. I think Makers are a bot. Oh! Shit. Hello. Enderzen, two shots, the shield. Ok, on est en train de voir un petit fight qui est assez intéressant. Ils sont tous les deux un petit peu mal. Non, quoique, il y a Enderzen qui est full life en fait, qui vient d'arriver et qui va peut-être remporter. En tout cas, pour l'instant, il a été éloigné tellement loin avec le shot sur le bouclier. Oh, incroyable le shot qui l'a mis, mais dans le mal le plus absolu. Peut-être que Yu devrait aller récupérer son corps. Je sais pas si le corps est dans une autre zone ou pas, mais ça devrait peut-être lui permettre de, peut-être avec de la chance, choper un. Oh là 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 là, Yu qui se fait, qui est trop gourmand. Yu qui essaye de se barrer simplement, hein, qui essaye de prendre quelques informations. Il se dit qu'il est camo, mais faut faire attention. You, parce que tu peux te faire voir par les joueurs qui sont un peu plus expérimentés. Et Ederson qui se fait shot. Attention. Ederson qui se fait shot encore une fois. Et Yuki n'a plus son camo et qui reste toujours à un seul hit. Yuki ne comprend. Enfin, Yuki arrose, hein, son adversaire, parce que visiblement son adversaire ne comprend pas ce qui se passe. Ouh, c'est pas passé loin ça. C'est pas passé loin. Avec une flèche normale, je pense que ça aurait touché. Yuki est extrêmement dans le mal, c'est assez incroyable. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Il va essayer de prendre un petit peu des informations. Peut-être qu'il devrait créer des pièges, essayer de piéger son adversaire, de le faire aller sur ses pas. Faire attention aussi aux taches de sang qui indiquent extrêmement bien comment, où est-ce que vous allez. Yu qui essaye d'être gourmand et qui essaye de prendre un petit peu des. Mais il a eu raison, hein, parce que si. Ouf! Oulala! Ederson, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se découvrir, de savoir, de montrer à ton adversaire où est-ce que tu es? Non, je ne pense pas, c'est la dernière zone qui vient d'arriver, le Sudden Death qui va bientôt arriver, qui va arriver genre dans moins de 30 secondes je pense, et Ederson qui a envie d'aller choper son Electronics. Alors faire très attention à ne pas tomber dans la lave, ça peut être regrettable, on va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il fait Ederson? Il n'a pas envie d'aller choper l'Electronics finalement, il a pris peur je pense de la zone simplement, il a pris peur aussi du fait qu'il avait très très froid et que peut-être ça allait lui porter la chance, enfin mauvaise chance. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Il a pas ce qu'il faut pour craft de feu. Si, il avait ce qu'il faut, il n'en avait pas. J'ai cru qu'il en avait 5, c'était juste un bug graphique. Donc on va voir. Alors faut faire très attention Ederson, parce que tu es dans la tourmente de ce labyrinthe de roche, puisque, et bonjour à toi Hamid, puisque ce, non c'est bon, il est vers le centre de la map, il n'a plus de feu, il est full froid, donc ça devrait être bon. Il est traqué par contre par son adversaire, donc ça c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Yu qui a l'air d'être assez serein au niveau de ses shots, et Ederson qui ne voit pas du tout d'où vient la flèche. Yu qui va peut-être pouvoir profiter, non, il ne profite pas de cet instant. Yu qui essaye de fabriquer quelques flèches, qui essaye de traquer quand même son adversaire. Il n'a pas forcément beaucoup de choix, faut faire très attention, faut pas être trop greedy non plus. Allez, attention, le shot. Non, un peu plus bas quand même. Yu, respecte-toi. Après, c'est peut-être le stream qui est. Enfin, pas le stream, mais le mode spectateur qui lag. Attention à ne pas être trop gourmand. Mais après, on peut se servir de ça. Faut faire attention à la zone de froid qui est derrière toi, Yu. Peut-être que. Voilà. Hop, tu vas te faire bump. Il sait où est-ce que son adversaire. C'était peut-être juste un bait pour savoir où est-ce qu'il est. Faut faire très attention. Ah, c'est vraiment. Du point de vue de Yu, c'est vraiment extrêmement éreintant. Puisque vous êtes à 1 HP et du coup, vous prenez complètement. Bertrand Jacob, bonjour à toi. Chouchou, bonjour Rami, comment ça va? Peut-être que c'est le moment de rush et de faire un tout pour le tout et d'activer son. Non, il veut tenter la arrow.
Il veut tenter la row. En même temps, Elder Zen, il voit pas bien. Il a besoin de lunettes, hein, il est vieux. Il essaye de se protéger un petit peu avec Stronix, mais il a pas forcément l'avantage. Ils ont tous les deux plus de bois, et c'est Elder Zen qui risque de prendre cher au niveau du froid s'il continue de jouer comme ça. Oh, il y a un bois, peut-être un bois, non, qui n'est pas pris, qui est complètement ignoré par Yu, qui n'a pas envie de s'exposer à une flèche perdue. C'est très bien joué aussi de sa part. Les deux cas sont pris, sont à être pris. On va voir comme avec un petit peu plus de hauteur comment ça va se passer. Elder Zen qui a pas envie de bouger de son spot. En même temps, il a raison, c'est le spot le plus haut de la map, donc du coup il a l'avantage visuel sur son comparse. Ah, il l'a vu, je crois que Elder Zen veut affronter. Est-ce qu'il a des flèches au moins? Il lui reste 6 flèches. Mais en même temps, il a des flèches de feu qui sont un peu plus lentes et qui sont plus corps à corps. Attention, Yu qui met 250 et qui rééquilibre Yu à 1 HP, qui réussit à win. GG à toi, Yu. GG. Ouh, c'était incroyable. Yu qui a réussi contre toute attente à gagner, qui a réussi à win avec sa hache qui était niveau 4, je crois, ou niveau 5, je sais plus. Non, elle était peut-être simplement niveau 3, je ne sais plus. GG à toi, mon petit Yu. Et on va voir un petit peu si on débloque des choses. J'aimerais bien débloquer un petit peu de pouvoir. Est-ce que je suis pas passé 15? Non, je ne suis pas passé 15, et on va, je pense, pas tarder à arrêter le stream, parce que je stream depuis je sais pas combien de temps. Enfin bref, je vais faire une petite pause et j'en reviendrai peut-être ce soir pour farmer un petit peu le shoulder rectoring, histoire d'avoir de plus de pouvoir. C'est vrai que c'est un petit peu laborieux. Ça demande de faire beaucoup de games, et c'est un peu triste. Moi j'ai changé un petit peu, j'ai vu que le trapwire fonctionnait bien, en vrai. C'est une bonne zone, et je suis assez content. On va peut-être changer, on va peut-être jouer comme ça. Le gliders plus snowball pour avoir un petit peu plus de distance, pour essayer de, par exemple, de tuer des deers, de tuer des tourelles, de mettre dans le froid, d'éteindre des feux. Enfin bref, j'ai vu des stratégies qui m'ont plu. Le trapwire qui m'a fait très très plaisir aussi, et le gliders qui, je trouve, est un indispensable gameblog, un indispensable tout court pour ça. Et bah après, le reste ça m'a l'air honnête. Donc moi je vais vous faire des zoobies, et je vais vous dire à ce soir, probablement, je ne sais pas encore, donc vous n'hésitez pas à follow la chaîne simplement, et on va voir ça. Allez, salut !